Voilà, je sais pas, c'est des mini-gorges. C'est l'entrée en fait des gorges de l'Ardèche quoi. Ah par oui, dans l'autre sens. Ah ouais. On va finir par connaître toute la France avec nos histoires de camping-car quand même. C'est le but. Après c'est vrai qu'on nous on est quand même à tendance à traverser en express quoi. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bah ouais, j'étais jamais venu de toute ma vie ici. Donc ça va monter dur. Ouais. Et tout est gelé encore. Pourtant il est 15h mais si tout est blanc voulez, ici. Je vous mettrais comment ça s'appelle une petite un lien. Ouais, un lien pour voir la N102 mais dans l'autre sens. Sur la vidéo qu'on a fait mais à l'aller. On est le 27 aujourd'hui, 27 décembre. Et là voilà, on voit les montagnes qu'on va attaquer. Bon bah voilà, on grimpe toujours. Hein. Sur la N102. Toujours. Alors là, c'est l'Ardèche qui passe là. Voilà, on l'a trouvé. Ça fait 15 fois qu'on s'arrête. Ah, mais, sauf qu'on voit assis. On la voit couler. Voilà. Naissance de l'Ardèche. Je sais pas si on peut avancer. Ça pourrait faire penser aux États-Unis quoi. Ça y est, il est reparti dans ses comparaisons. Si, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis là, avec les sapins, ça peut tout de suite plus Alaska. Mais on voit rien. Ça y est, on n'est plus en Ardèche. Et on arrive en Haute-Loire. Ah oui, d'accord, Haute-Loire. Voilà, on arrive au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, voilà. Avec, il y a des collines là. C'est magnifique. Et donc c'est un des départs principaux du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est de là où Claude a démarré, un de nos internautes préférés, évidemment. Un de nos abonnés. Abonnés préférés. Coucou. Du coup, l'aire de camping-car, il est juste à côté de la gare routière. Et puis là, on vient de demander au monsieur, là, donc, grâce à ce petit bus, et ben, le monsieur, il va nous emmener visiter le Puy-en-Velay, voilà. Oh, ça caille. Et il fait combien? Il fait moins combien? Il fait moins 3, moins 4, un truc comme ça, moins 1. Voilà, on va aller voir les trucs à voir, quoi. La cathédrale, le centre-ville, et le départ de Saint-Jacques, des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc juste avant, on est passé dans des petites rues. Et les couleurs, les bâtiments, tout, ça ressemble vachement au Mont d'Or, à la Bourboule. C'est typique. Donc nous, on va là-haut. Donc vieille ville, ville haute. Ah, ça c'est le théâtre, d'accord. Théâtre Michelet, j'imagine. Je sais pas où est-ce que vous voulez vous restaurer. Oh, on est en camping-car donc ça va. D'accord. Ah, vous êtes stationné au pôle intermodal là.
Ouais, au camping-car park, là, on a la carte. Ah bah il y a le marché de Noël ici, tiens. Voilà, le marché de Noël du Puy. Et Noël, il n'a pas de quoi. Voilà. Comment on rentre dans le secteur VIP ? Ouais, c'est un quartier piéton, j'imagine. Comment vous dites ? C'est un quartier piéton. Semi-piéton. Semi-piéton, ouais, d'accord. Pour les fêtes, là, avant Noël, c'était piéton, vous avez terminé. Ok. Les terrasses de Compostelle, donc apparemment, c'est un des départs. Nous disait le chauffeur, c'est un des départs du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Pourquoi tu me files de près ? Ah bah voilà. C'est l'arrêt chemin de Saint-Jacques, il est là, Saint-Jacques. Voilà. Allez, vive les pèlerins. Oui, donc le monsieur il nous disait que la montagne juste là, là, où il y a l'antenne, en fait c'est un volcan. Donc il y a un volcan et puis il y a comment ? Le mont Denis. D'accord. Et qui est très surveillé. En fait, il y avait une carrière. Et de cette carrière, c'est là où on tire une pierre rougeâtre qui sert tous les bâtiments au ciment, là, comme on peut voir. Voilà, ça apporte des pigments de couleur un peu partout à la ville, voilà, au bâtiment. À gauche, on a des vestiges de l'ancienne porte. Ah oui, d'accord, ouais. Là où on passe, c'est une voiture à chemin. D'accord, la vieille ville, voilà. Complète à la visite du Puy-en-Velay. Là, le restaurant aussi, l'aventure est jolie. Ouais, les culs d'or. Ah, puis et là, il y a un truc, c'est dans cette maison est né le professeur Chantemesse. Je sais pas qui c'est. Ah ouais, c'est beau. Vous voyez à gauche, t'as regardé l'aventure de cette... Ah oui. Je vais m'arrêter 30 secondes si vous voulez faire une photo. Là j'ai la caméra donc je suis en train de filmer. Bon. Superbe. Bah là aussi qualité au quotidien. Ah c'est bon hein. Un beau bâtiment à gauche là. Avec des fenêtres à meneaux. Ah ouais. Ah c'est bon. Bon bah c'est bien, on a la visite touristique. Alors là on est rue Pâques-Sac. On arrive place du Clos, le samedi matin il y a un marché là. Ah ok. Jusqu'à là il y a le marché. Alors là, tout à l'heure on est passé au Broil en face là. Là on est place du Clos, en face c'est la rue Saint-Gilles. Ah, okay. Et on est passé à... Ah il y a un marché couvert aussi apparemment là. Ouais il y a un marché couvert. Idéal. Ok. Et voilà, toujours vieille ville, hein. Quartier vieille ville. C'est vrai que les bâtiments ils sont superbes. C'est vrai que... Ah, c'est coloré, c'est beau. Ouais, ça a été bien refait en l'espace d'une quinzaine d'années. Là. On a essayé de... Ouais. Bah, on se sent dans une ville de montagne, quoi. Oui. Hein ? C'est ça. Hein. Avec des beaux bâtiments. Et à droite, c'est la rue Crozaté. On est passé en face. Ah, on est passé là, ouais, tout à l'heure. Ouais, la place Puy. Voilà, petite boucherie sympathique. On va rentrer dans la rue Général Lafayette. Ça va derrière ? Ouais, c'est bien, c'est génial. Je sais pas tous les moyens qu'on a maintenant pour bâtir. Ah, mais quelle idée de... Aller bâtir ça là-haut ? Ouais. Bah, c'est comme le Mont Saint-Michel. Hein. Ouais, c'est ça. Les lieux de culte, ils étaient isolés. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Elle s'appelle comment ? Comment ? Saint-Michel. Ah oui, elle s'appelle Saint-Michel. Elle s'appelle Saint-Michel des Pays. Le rocher Saint-Michel. Ah là là. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, puis en face, là, sur la colline, apparemment, c'est le... Bien exposé, hein. Voilà, c'est là où poussent tous les arbres fruitiers. Il y avait des vignes avant. Et des vignes, ah ok. Droite, on retrouve le sanctuaire de Saint-Joseph. En fait, on est passé sur la montagne en face là, tout à l'heure. Ah ouais.
Ah oui, là-bas, ok. Ouais. Voilà, la statue Notre-Dame, qui est aussi sur un caillou. Alors, on va peut-être aller la voir de plus près. On va voir. On verra. Donc là, on est dans le secteur Ville-Haute. Ouais, tu disais que oui. Il était très gentil, ce monsieur. Il nous a montré toute la ville. C'est clair. Donc, il nous a fait guide touristique. Voilà. Excellent, quoi. On connaît tout du Puy-en-Velay maintenant. Voilà. Non, on racontera plus de bêtises, parce que hier on savait plus, on savait pas trop quoi. Ouais. Donc, là, statue, là c'est Notre-Dame. Donc Notre-Dame, voilà, Saint on va Joseph, sûrement là-bas. Aller la voir. Alors Saint-Joseph, Saint-Joseph, il est planqué derrière là-bas. Famille pour qui? Et Papido? Bon bah ils vont être contents. Je le mettrai sur le film. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Ça va là-haut? Tu dis bonjour à la caméra ou pas? Coucou. Non. Non.